C'est Titi, et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Minecraft pour un passage secret encore indétectable. Voilà, alors celui-là n'est pas très très difficile vraiment, il est totalement facile, voilà. Alors regardez, vous allez juste aller vous mettre dans le coin, et là voilà, faire ça. Et là, un petit bouton pour sortir, voilà. Et hop, voilà, vous allez juste à pousser dans le coin comme ça et ça va s'ouvrir. Alors je vous apprends tout de suite à comment le faire. Alors d'abord vous allez voilà, regardez, vous avez comme ça une maison, ici vous avez un coin. Alors vous allez enlever ici, voilà, pour que si vous voyez toujours qu'il y a un coin, mais l'autre c'est bizarre, enfin je sais pas comment dire. Alors vous allez prendre les trois premières rails, la rail normale, la rail de propulsion et la rail de détection. Avec ça, vous allez prendre un chariot de mine avec un piston normal, un piston collant, pardon, un répéteur de redstone, une torche de redstone, de la redstone et des blocs. Donc voilà. Alors vous allez mettre une raille comme ça, normale, enfin dans ce sens-là. Et ben, j'ai oublié de dire aussi, vous devrez prendre un bloc de redstone, mais ça sera ok. Alors regardez, dans le coin, vous mettez une rail, vous creusez dedans et vous mettez un bloc de redstone pour la rail de propulsion. Et là, vous allez commencer à monter. Alors regardez, vous faites comme moi, un escalier genre comme ça, et vous cassez comme ça. Et vous mettez une rail de propulsion, une rail de détection et une rail encore de détection. Et là, vous enlevez la rail de détection et vous remettez un bloc dessus pour que ça fasse comme ça. Alors, et juste en dessous, je crois que c'est là. Non, c'est ici. Vous mettez, regardez, vous mettez genre une rail de propulsion, une rail et après les deux autres rails, c'est de détection. Et vous mettez une charge de redstone juste en dessous du premier bloc, voilà, comme ça. Et ça, vous allez le relier à votre piston que vous allez mettre. Hop. Piston, redstone, hop. Voilà. Alors nous, notre piston, on va le mettre là. Comme ça, si on mettra un bloc, voilà, comme ça. Hop, et ici on va faire notre passage secret. Hop, voilà, voilà. Hop, 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 hop. Et puis après, on placera un bouton. Un bouton pour remonter, enfin, pour ouvrir de l'intérieur. Enfin, de l'intérieur. Oui, oui, pour ouvrir de l'intérieur, voilà. Alors. Une fois cela fait, que vous avez relié au piston, voilà, vous allez placer un wagon, un chariot de mine, sur les rails. Alors essayez de bien le placer, là il est bien placé, car des fois si vous le placez dans la pente, bah regardez, on arrive à le voir. Du coup essayez de le bien le placer, moi, regardez un peu que je le place, voilà. Hop. Là j'ai réussi, après tout ce temps il fallait réussir. Alors voilà, là vous allez courir pour aller dans le coin et vous allez descendre dans le passage secret. Une fois cela fait, pour ouvrir de l'intérieur, vous allez placer un bouton, vous allez prendre des réputateurs et de la redstone. Alors voilà, vous allez placer votre bouton, surtout important, un bouton, hop, voilà. Un bouton, pourquoi? Car sinon dans votre passage secret, je vous montrerai ça ferait quoi avec un levier après. Et ça, vous le reliez à la torche de redstone. Alors hop, voilà. Non, surtout pas comme ça. Vous le reliez au bloc juste là, voilà. Et on mettait un répéteur ici. Et nous, on va mettre un répéteur voilà, comme ça, pour qu'on a plus de temps, voilà. Alors une fois cela fait,
Regardez. Hop, maintenant on va activer le bouton et puis on sort. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait quand on est avec un levier. Ça fait pareil, donc ça va ouvrir. Regardez, hop. Mais maintenant, on peut pas refermer. Voilà. C'est pourquoi c'est mieux des boutons. Voilà, regardez. Alors, que mon bouton. Hop, voilà. Et ça se referme directement. Alors bon voilà, j'espère que ce tuto passage secret vous aura plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis bye bye.